toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec le Congo. Épisode qui va peut-être voir eh bien, tout simplement la fin de ce défi, puisqu'on va se lancer dans les guerres qui nous manquaient, notamment contre Tunis et les Ottomans. On va en profiter, je pense, pour commencer doucement à intégrer notre ami Pulse. Et oui, malgré notre légitimité moisie, on va le faire. C'est parti, alors, apaiser les dirigeants locaux, on peut pas plus, forcément on est en négatif, c'est pas grave. Non, on va pas enlever la pause, on se détend, qu'est-ce qui se passe? Famille marchande influente ou un négociant, on s'en fout. On s'en fout les gars, je tiens à vous le dire. En Tunisie on a des états, j'ai pas fait d'état en Tunisie. Ah oui, j'ai pas fait d'état en Tunisie. Autant pour moi. L'éclair. Bon, il commence déjà direct dès le début de l'épisode à faire chier les mecs. On a compris quel serait le thème de la partie. Ici on a pas assez de points pour Tunis, c'est pas grave. Ok, donc là on a deux armées pour s'occuper de Tunis, ça va largement suffire. Donc ici on va commencer à se déplacer par là. Hop, hein, par ici. Vous. Par là, et on va donc lancer notre guerre tout de suite, dès le début de la partie. C'est parti, impérialisme, on attaque Tunis avec les Ottomans et la Grande-Bretagne, et on est parti. Donc cette armée-là va aller direct poser son cul sur la capitale, et ici on va direct aller poser notre cul à Grenade. Ici on va téléporter un commandant, celui qui est à la tête de la première armée. C'est où? C'est lequel? C'est celui-là. Et on va commencer à avancer un peu, encore que. Tout seul sur les Ottomans, on va peut-être attendre au moins une armée de renfort. Alors, la colonie en terre de feu, c'est fait. Ah, bon, remarque, s'il décide de m'attaquer à 40 000, on va peut-être y aller en fait. Hein. On va passer en vitesse 3, pas en vitesse 2, au moins en vitesse 3. Non, pas les succès, merci. En vitesse 3. On va envoyer... Oh, ici, il a pris ça, l'anglais. Et bah du coup, on va prendre ça. Voilà. Pour la peine. Puis ça, c'est du 10. Donc ici, on va rappeler le mec. Et on va l'envoyer là, après. Hop. Voilà. C'est cadeau. On est en guerre contre lui, donc il va de toute façon venir nous faire chier. Hein. Ici, on avait une armée qui était tranquillement en train de se pointer pour... foutre la merde. Alors... ouais. L'Angleterre a rejoint. Les Ottomans ont rejoint. Alors l'Angleterre a rejoint, ça veut dire qu'on a potentiellement du bateau en difficulté là. Ça c'est quoi? C'est des bateaux de transport, donc on va se détendre, on va attendre les navires lourds. On va les regrouper et après on bougera. Ici on va aller se poser là pour faire le blocus habituel. Et ici on va rentrer au port. Et ici on a déjà une belle flotte anglaise. D'ailleurs ce serait peut-être pas mal de laisser une armée par là pour gérer les éventuels débarquements anglais quand même. Ok, donc là visiblement défense d'effort plus 20%, oui. Visiblement l'Ottoman a voulu me sauter dessus et puis il s'est dit c'est une idée de merde. Alors on va se mettre en marche forcée. On va le renforcer et on va le choper. Deux stacks web de 40 000 pour le début de la partie, ça me semble plutôt propre, moi je trouve. Peut-être un troisième en arrivance là. Ah, c'est tendu. Hop là, les honnêtes marchands de Congo, oui. Bon là, on est peut-être un petit peu juste pour lui sauter dessus tel quel. Quand même. Donc déjà on va dégager la marche forcée et on va se replier un peu. Bon, on a quand même mis déjà direct deux belles défaites à l'Ottoman, ça fait plaisir. Alors ici, il est en train de faire chier, bien évidemment. On va donc s'en occuper, très très vite fait. Ici il peut pas passer parce qu'il y a le fort, hein, donc nous on va prendre ce fort là et après on s'occupera de défoncer ce qu'il y a autour. Pas de stress. Ah ok, ça c'est fait, nickel.
c'était plus compliqué que ce que je pensais. Et ici, on va prendre combativité de l'artillerie et plus 5% de discipline. Pourquoi je peux pas le... Ah, je suis en guerre contre un pays qui la considère lui aussi comme légitime. Très bien, où est-ce qu'il va? Par là, on va aller par là aussi. Hop là. Bah ici on va se couper en deux parce qu'on est bien assez nombreux pour s'occuper de ces cons en deux. L'objectif va être de faire un score de guerre assez important sur Tunis pour pouvoir bouffer les quatre provinces pourries de l'Ottoman. Hop, allez là-bas vous, vous allez là-bas. Ici j'ai dit, putain mais casse les couilles. Nos bateaux ici sont peut-être regroupés. Allez, vous regroupez et puis vous allez rejoindre les copains. Là, ils ont réussi à péter les murs, hein, très bien. Ici, bah, comme d'hab, ils vont essayer de s'enfuir et se retrouver bloqués par notre fort. Ah, on a perdu un commandant, on fait chier. On n'a pas assez de points. C'est où qu'il est tombé le commandant? Je ne sais pas. Celui qui est là. Ouais, c'est celui qui est là. Allez, pointez-vous. Bon, ici, les idées militaires de Pedro. 50 points militaires, bah parfait. Ouais, qui va nous permettre de prendre notre général. Ici, on a 4000 grands bretons qui se baladent. C'est pas trop trop stressant. Du coup, un commandant... Ah, ici on les a chopés visiblement. On va peut-être se ramener de nouveau par là avec eux parce que si la Grande-Bretagne commence à poser des troupes, ça va être un peu tendu. Alors qu'ici par contre on va être bientôt très très nombreux. Ici un commandant. Hop, Enrique. Bienvenue Enrique. Enrique, tu te pointes Enrique. Toi. Pointe aussi, d'ailleurs j'ai complètement oublié de les foutre en marche forcée les mecs, mais on va complètement être en marche forcée hein. Vous marche forcée, vous remontez là, marche forcée, vous remontez là. Cette guerre est totalement gérée, je l'assume complètement. De toute façon on commence à être à un moment où il faut se bouger le cul si on veut réussir notre défi avant la fin de la partie. Là il nous voit revenir, il commence à s'inquiéter un peu, il a raison. On va envoyer direct une armée par ici, dans leur dos. Alors, il se casse. Fait chier, ça c'est triste par contre. Cette armée là est en train de se déplacer par là, donc ici on en a une qui va là, une autre qui va foncer par là-bas. Alors on va les choper, parfait. Donc ici on va renforcer un peu, ici on va les poursuivre. Alors ici ils se replient je ne sais pas par où, ah oui ok par là, très bien. Alors, on va se détendre deux secondes. Vous, vous allez sur le fort, et vous, bah vous allez vous poser là pour l'instant. Et ici il s'est arrêté, ouais mais je peux pas y aller parce qu'il y a les sièges en cours, donc de toute façon c'est un bon move de sa part de s'arrêter pour le coup. Ce fort là c'est toujours un fort de level 2, hein, pas besoin de mec qui sait faire du siège. Alors on a 9% sur la Tunisie, comment ça se passe? Ça se passe qu'il a recruté des troupes parce que j'ai oublié qu'il fallait que je m'occupe de ça. Ici ça se passe qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a une armée anglaise, donc on va s'en occuper. Ici on va complètement ouais, des stacks de 10 ce sera suffisant pour tenir face à lui. Il pourra pas reprendre sa capitale de toute façon, hein, pas avec aussi peu de force. Alors on peut prendre une aptitude. Ouais, dégâts de l'artillerie, je prends. Ici on va faire un peu de mal à l'anglais. C'est un grand classique mais... C'est
toujours utile. On va se mettre en marche forcée parce que pourquoi pas. Et on va le poursuivre avec ses 31 000 hommes tout pourris là. Il est tech combien? Il a la même tech que moi. On va l'attaquer en race pleine. Pas de stress là-dessus donc. Voilà. C'est fait. Et on va aller se poser à Lisbonne. Très bien. Donc ici on va faire le taf. Ici dès que le fort est tombé on va pouvoir lui sauter dessus. Bon c'est de la montagne mais voilà, donc le siège est tombé. Donc ici on consolide et on ne peut pas passer. D'accord, très bien. Du coup on ne va pas lui sauter dessus. Bah on va aller dessiéger cette merde en attendant. Avec cette armée là on pourrait mais bon. Je l'ai vu un peu tard. Est-ce que je pourrais pas prendre le commandant de la 5ème armée et leur sauter dessus ici? À moins qu'il ait des grosses troupes par là, ça devrait être plutôt jouable. En plus, c'est pas de la montagne. Pour le coup. Et Elkarak vient de tomber. Donc ça par contre c'est très intéressant. On va du coup rejoindre par là au cas où. Descendez-vous les gars. Bon. Ça se passe pas trop mal hein, pour l'instant. Ici il est en train de faire le siège de Tunis, le petit salaud. Un commandant. Et on va aller s'en occuper tout de suite. Sont ces troupes du coup? Ah il est, je l'ai pas stackwipe, il était un petit peu trop fort. Faut que j'arrive à poser un mec là-bas pour faire le siège d'ailleurs. Ah, il se replie là? Non il se replie je ne sais pas où. Ouais. Comment ça se passe à Lisbonne? Bien. Au niveau des débarquements pour l'instant ça paraît être trop le thème. Là on a un gros tas rouge, ah oui ok, en train d'assiéger la Crimée avec 100 000 hommes, ça va. Ici bah ici du coup on va, maintenant qu'on a pris ses forts comme d'hab hein, ça a bien marché jusqu'ici donc on va se contenter de faire demi-tour. Ici on va essayer de mettre quelques tatanes à droite à gauche, ce serait cool. Je pense qu'ils vont se. Eux ils se replient jusqu'à leur fort là. On va se regrouper ici et on va essayer d'aller prendre ce dernier fort. 30 000 hommes ça devrait largement suffire pour le siège. Hop, en avant. Tant qu'il n'y a personne pour faire chier. Et ici on va aller se poser là pour éviter qu'ils recrutent. Bon, j'ai cru qu'il y avait des troupes mais non, c'est juste les bateaux anglais qui passent le détroit. Alors ici il y a du rouge, qu'est-ce que c'est? 8000 péons. Ouais, même pas la peine de bouger ça, vous pouvez y aller. Ça suffira largement. Ah mais ils sont rapides. Ok, Lisbonne c'est fait, parfait. On a regagné un peu de prestige, on peut descendre eux du coup en dessous, ah non pas en dessous, pardon, c'était 10 seulement, autant pour moi. Ici il y a une armée, on va aller s'en occuper, ici on fait le siège. Ici on va se scinder en deux, hop, ici pareil, hop. Hop, toi tu vas ici j'imagine, ouais, voilà. Ça se passe bien hein, pour l'instant, pas trop de stress. On va perdre la Crimée, c'est pas très grave. Ce siège c'est fait. Allez filer un coup de main là-bas vous. Alors après on a des soulèvements à un moment. Ici, une petite répression implacable. Des familles. On va se permettre de se scinder un peu. On n'a pas besoin d'un très très gros score de guerre, hein. Comme je le disais, il faut juste qu'on puisse prendre
Bah vous, vous allez vous poser là-bas. Impérialiste contre Salzbourg. C'est très bien. Pas de problème. Il faut juste qu'on ait un score suffisant sur la Tunisie pour pouvoir prendre ces 4 provinces de merde à l'Ottoman. Donc c'est vraiment pas... vraiment pas ouf. Voilà, Dara c'est fait. Donc gouvernement, bah du prestige là, on veut du prestige hein, clairement. Oh comment Ottoman occupe des trucs. Ah oui ok, très bien. Rien à foutre. Ah par contre ça c'est un peu moins rien à foutre. Hein. Mais c'est con parce que j'avais une armée en réserve. Hein. Je suis vraiment désolé pour toi mec. Mais tu vas quand même crever. Blocus. Agitation locale, plus d'autonomie, non, bon, on va aider le blocus, c'est bon. Ça ne me dérange pas outre mesure, vu les blocus que nous aussi on fait. Mort aux espions, parfait, non, non, tu ne fais pas ça, toi, tu restes là plutôt. Oh là là, les sièges qui tombent. Bon. Les Ottomans, on a 100% chez eux. On va le garder 2 secondes parce que si on a besoin de faire plus de force, ça peut être utile. Plus de sièges, pardon. Alors déjà, combien ça nous coûterait déjà de prendre tout ça? Pas si cher, hein, franchement, hein, pas si cher. Plus tout ça, là, ça commence à jouer un peu. Ça commence à jouer un peu. Donc il va falloir qu'on fasse durer. Je pensais qu'il pourrait pas passer, mais non, effectivement, là, il y a moyen de passer. D'autant pour moi. Du coup, eh ben on va faire durer un peu, j'ai envie de dire. Raid à travers la jungle. Raid de cavalerie. Gain de 10 ducats, perte 2000 sur les réserves, ou gain de 15 de puissance militaire. Oui, 15 de puissance militaire, ça me convient. Ah, ils ont repris Sinaï, attention. Quoi. Les oufs. C'est des oufs les mecs. Allez, on va commencer à aller les prendre un peu en embuscade. Bon, réellement cette guerre est vraiment très simple, pour l'instant en tout cas. J'en attends pas beaucoup de difficultés. La vraie grosse difficulté à mon avis, on va s'occuper d'eux là, ça va être la France et compagnie. Là par contre, on va douiller. Enfin on va douiller, peut-être pas, hein, mais ça va être quand même vachement plus violent. Quoi. Voilà, ici on les défonce. On va défoncer ceux-là aussi, puisqu'ils sont en train de s'enfuir. Hop, stack wipe sur stack wipe. Hein. C'est le thème de la guerre de toute façon. Même avec ses 40 000 hommes, il décide de fuir tellement il flippe. C'est bon, tu fais quoi? Tu t'enfuis? Tu peux peut-être choper ces 10 000 hommes là? Non, j'ai fait un misclick donc non. Allez, bah du coup on va aller se poser là, puisque pourquoi pas, ici on va aller se poser à côté. On chope des troupes au fur et à mesure qu'elles s'enfuient quoi, c'est la catastrophe quoi. Il en est où l'Ottoman? Ottoman, plus que 230 000 hommes déjà, plus que 19 000 réserves, c'est absolument la douleur. Et vous voulez toujours pas une paix hein? Non, hein, pas du tout même. Pas du tout du tout. Ici. Ici on a une nouvelle armée anglaise à aller défoncer, ben c'est parfait, on va faire donc ça. J'ai envie de dire, il n'y a pas des gens qui ont débarqué, toujours pas, non. Donc ici, on a des troupes qui font rien, on va les regrouper là. C'est qui a le meilleur siège là? Deux de siège, bon c'est kiff kiff, donc lui va aller s'occuper de ça, nous on va aller ici, et avec ces hommes là, on va aller s'occuper des petites merdes qui ont été dessiégées ici. Tout simplement. Et l'action va être là pendant quelques instants, donc du coup on va s'y intéresser. Il est en train de venir, hein, il vient. Pas de stress le mec, il s'est fait défoncer le fion. Putain, le siège de Sam, je l'ai à peine commencé, déjà fini.
Par contre, du coup, ils vont beaucoup trop vite. Enfin, ça va trop vite en vitesse 3, j'ai pas le temps de faire demi-tour avec la notification. Est-ce qu'on la stack wipe? Oui. Et bah du coup, on va aller poser nos fesses là-bas. Tout simplement. Donc ce siège-là, c'est fait. On va passer au suivant. Toujours avec un petit peu de renfort quand même derrière. Vous, bah vous, vous allez peut-être vous scinder pour aller plus vite par contre. Parce que vu comme les sièges tombent vite, ça prend plus de temps de prendre les provinces qui n'ont pas de siège que de prendre celles qui ont besoin de siège, quoi. C'est quand même un peu abusé. Ici on se regroupe, on va prendre un commandant potable. Histoire d'être pas complètement à poil en cas d'attaque sur ce front. Ici il y a beaucoup de rouge, je trouve. Donc c'est toujours les bateaux. Le Pearl c'est en train de nous aider, ce qui veut dire qu'il est devenu suffisamment loyal pour ça, ce qui est une excellente nouvelle. Vraiment une très 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 bonne nouvelle. Il nous file du blé en plus, c'est moins, ça mange pas de pain. Ce qui veut dire qu'on va immédiatement lancer son intégration. On peut pas, parce qu'on est en guerre, pas de soucis. On va attendre la fin de la guerre et on va immédiatement lancer l'annexion dès la fin de la guerre. Alors ici on a 10 000 péons mais ils se cassent. J'imagine qu'ils vont revenir par derrière mais bon bah en attendant ils se cassent. Ici il faut avancer les gars, arrêtez de glander un peu. Est-ce qu'on vous paye pour glander? C'est une question que je pose moi. Mais sans déconner. Bon ici c'est peut-être pas vraiment la peine de les aider, ils vont très très bien s'en occuper je pense. On va se poser au Finistère, tiens. On a une armée ici pour gérer, une armée ici pour gérer, donc même s'ils débarquent, on n'est pas si mal. On a des forts placés à peu près stratégiquement pour l'emmerder. Ouh. Monsieur pose ses coronets. Là, il va falloir qu'on aille s'en occuper quand même. Ah oui, 120 000 hommes, on va pas s'en occuper avec 40 000 quand même. A mon avis, ça va être tendu. Donc on va essayer de faire ce siège là, on va ramener des troupes. Histoire d'éviter d'être trop en sous-nombre. Alors, une rébellion ici. Ok, très bien. Combien de commandants on a? 4 sur 5. Hop, ça nous coûte 19 d'en prendre. Putain la vache quoi. Le commandant de fou. Allez, vous allez vous occuper de cette rébellion. Donc ici, ouais, ici quand même, le mec il déconne pas. Bah visiblement il flippe quand même, hein, parce que il décide de faire demi-tour, je ne sais pas pourquoi. Il a juste repris un truc, il a vu que je commençais à bouger mes troupes là, il s'est dit oulala, il va être deux fois moins nombreux que moi plutôt que quatre fois, ça va devenir dangereux. Quelque part c'est gratifiant, hein. Voir l'Ottoman faire fuir plus de 120 000 hommes face à mes 80 000, c'est quand même gratifiant. Moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très très gratifiant. Le Finistère est tombé. Parfait. Bah, du coup, on va aller s'occuper de Calais. Hop là. Ce siège-là est tombé aussi, hein, de fait. On va aller à Mossoul. On va se rapprocher un petit peu de nos amis par la même occasion. Hop. Bon bah ici vu qu'il s'est cassé, on va se rescinder en 10 et s'occuper de faire des petits sièges. Ici on a une armée qui se balade, je sais pas ce qu'il fout. Peut-être qu'il s'est dit il va traverser, il va repartir par là, ça serait ce que je ferais à sa place. Donc on va scinder en deux notre flotte de guerre et on va se pointer là. Ah non, trop tard, il est déjà passé. Il est déjà en train d'arriver. On va quand même se pointer là, ça pourra toujours l'empêcher de retraverser, de fuir. Demande corassienne pour les produits congolais. Mais oui, mais complètement. Venez acheter nos produits, ils sont bien. Ruée vers les colonies. Eh ben venez aussi, j'ai envie de dire.
Ok, donc ce siège est terminé, donc on va reprendre les troupes qu'on avait initialement commencé à déplacer et elles vont aller s'occuper, comme c'était prévu, de ces armées-là, tout simplement. D'ailleurs, on va complètement les mettre en marche forcée pour se bouger un peu le cul. Allez, en avant. Qui c'est qui m'attaque là? Il y a eu un symbole de combat. Ah, mais ça devait pas être moi, ça devait être un combat qui ne me concernait pas. Alors, ici, on va lui sauter dessus, donc on va s'arrêter là. On va quand même au moins essayer de faire ça avec des commandants. On en est où là, des rebelles là? Ça se passe comment? On s'approche doucement, ouais, en avant les gars. Ok, donc ici, on lui saute dessus. Tranquille, on va emmener les renforts. Ça devrait faire un. Peut-être pas un stackway parce qu'ils sont quand même 50 000, mais il y a moyen de leur faire bien mal aux fesses quand même. Un désastre. Coup d'état nobiliaire. Les nobles sont trop influents. Ah oui. Voyez-vous ça? Jusqu'en 56. Pendant 6 ans encore, ils vont être influents comme ça, les nobles. Et ça pète quand? En 58, bon, ça devrait passer si on n'a pas d'événement, on va surveiller ça d'un œil. Calais est tombé. Allez, les sièges, franchement, enfin, sans blocus et tout, c'est vraiment la teuf. Ah, il est en train de débarquer ici. On va donc ramener notre armée. Bon, ici, on n'a pas fait de stack wipe, mais on les a défoncés. On va donc les défoncer une deuxième fois. Ouais, on va peut-être consolider un peu, merde, j'ai oublié d'appuyer sur Shift, autant pour moi. Le siège de Mossoul est tombé en attendant. On va peut-être prendre 2 secondes pour terminer d'assiéger cette zone-là quand même. Ça me paraît plutôt judicieux. La rébellion. Putain, ils tracent leur route, les enfoirés. Ça gueule ouf. Encore Jima qui gueule. Eh ben, ils vont se détendre 2 secondes, Jima, voilà. Alors, ici on y va, ils viennent aussi. 64 000, on les défonce. 90 000, 120 000, on les défonce toujours. Ça commence à être un peu plus tendu. Et c'est pas une victoire. Ah, on fait du jet de dés pourri. On fait du jet de dés pourri. Ah, je pense qu'on va payer mon... Ah oui, puis en plus il arrive avec 20 000 hommes. On va payer ma consolidation sans Shift M, là, je pense. Ouais, c'est une défaite ici. C'est malheureusement une défaite. Bon, rien de très grave, hein. Rien de très très grave. Mais c'est quand même une défaite. D'ailleurs, je dis ça, mais il y a peut-être moyen. Pas encore, mais ça approche. Ici il y avait des cons qui traînaient. Alors, visiblement on va à leur rencontre, donc on va surveiller un petit peu ce coin là. L'anglais a des généraux très 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 lamentables, ou alors il a essayé de pas mettre mieux sur la table, je sais pas. Au niveau des bâtiments là, on a beaucoup beaucoup trop de sous. Beaucoup trop de sous. Allez, c'est parti, on claque du blé, hop, là je pense qu'il y a moyen aussi, ouais voilà, très très intéressant tout ça. Allez, c'est parti, on a investi 6000 boules, ça fait toujours plaisir. Alors ici, voilà, pardon, petit éternuement, on les a chopés, et comme prévu, on leur fait très très mal, mais ils résistent. Voilà, on continue notre déplacement tranquillement. Des bons commandants militaires, les nobles gagnent en loyauté, ou alors on perd 1 en stab. Ouais, on perd 1 en stab. On a perdu un siège, ah oui, bah, normal. Normal, normal, stab qu'on va immédiatement remonter parce qu'on a plein de points, comme d'hab. Alors ici,
On descend tranquillement nos armées. Ça se passe comment là? Ça y est, on les a défoncés, donc on va aller très vite dessiéger tout ça. Ce serait très sympathique de votre part. On a un peu autre chose à foutre. Alors ici, il a redébarqué 60 000 hommes, l'anglais. Il va peut-être falloir qu'on envoie des renforts à un moment aussi. Oh, il s'est replié là. Putain, demi-tour. Demi-tour. Chopez-le! Chopez-le! Il est obligé de passer par là-bas. On va essayer de le choper. Vite. Grouillez-vous. Il y a du rouge un peu partout là. 7000 hommes ici, très bien. Alors ici on s'est replié. Donc on va scinder les deux armées. Qui c'est que où j'ai fait de la merde? 16, 5, 15 et 18, 6, 15. Ouais, globalement on a quand même pris cher. Hein. Ah, il arrive à réussir à s'enfuir, le salaud. Poursuivez-le. Rattrapez-le-moi. Oui, voilà, parfait. J'ai pas eu le temps de renforcer, mais c'est pas grave. Autant m'en occupe des trucs, c'est normal. Ah, on a encore pas réussi à le stack wipe, malheureusement. Bon, c'est pas grave, on va se replier deux secondes. Ici, on va aller se déplacer par là, puisque visiblement, 60 000 hommes ont envie de me poursuivre. Donc ici, il reprend des territoires. C'est tout à fait normal. C'est pas forcément souhaitable, mais c'est normal. Est-ce que c'est plus intéressant de repasser par là? Non, hein. On va passer dans son dos, de nouveau. Avec 40 000 hommes quand même. 40 000 hommes mieux entraînés que la dernière fois. Raid à travers la jungle. Oui, des points militaires. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Tarragone, et nous on va dans les Pyrénées. Gérone c'est comment? Gérone c'est de la colline, ça pourrait être intéressant de provoquer une attaque en colline. D'autant plus si ici on se met en marche forcée pour se pointer. Voilà, là on lui bloque le chemin, on arrive avec nos renforts. Normalement il va être dans le mal. Hop, c'est parti. Coucou! Ceci illustrera le nouvel adage, coucou c'est le Congo. Très très bien connu. Hop là, et cette fois c'est le stack wipe. Alors vous allez tranquillement retourner vous occuper de ça. Par contre ici on a 10 000 hommes à aller défoncer. Oh putain, 403 bateaux quoi. Ah c'est la violence. Est-ce qu'il lâche? Il lâche, parfait. Alors, on revérifie. On prend tout ça. On prend tout ça. Ça, c'est pas dans le contexte. Chypre. Je vais vérifier, mais... Ouais, donc voilà, ça fait partie de l'Europe, on est d'accord. Ouais, on prend ça, on prend ça. Là, on s'en fout, tout ça, on s'en fout. Un peu de blé, peut-être. Ouais, bon, même pas, on s'en fout. Qu'est-ce qui pourrait nous donner un peu de prestige? On devrait déjà en gagner pas mal, je pense, hein. 12, ouais c'est pas ouf mais c'est toujours ça de prix. Les répas de guerre tu veux pas, allez on s'arrête là. C'est parti. Et voilà. Une magnifique guerre. Et on n'a pas assez pour Tunis de nouveau mais c'est pas grave, ça va venir très vite. Bon, bah j'ai envie de dire,
GG. On va rapatrier quelques troupes, donc il nous en faut une par là, une par ici, une là, une Tunis. Eux ils foutent rien, vous un au Caire, et puis un à côté du Caire, et on va s'arrêter là pour cet épisode. Bien, et ben on est très très bien. Donc là, bon, j'ai pas été chercher Jérusalem, hein, je suis désolé. J'aurais peut-être pu regarder d'ailleurs, mais à mon avis c'était un peu cher, surtout que il y a des forts dans le coin. En tout cas, là je pense qu'on est très bien. Magnifique victoire, c'est nettoyé. Il nous reste plus qu'à annexer le Pulse et prendre la petite chure française. Ce qui va probablement nous durer jusqu'à la fin de la partie par contre, ça. Parce que ça va être un peu chéros à faire, hein, tout simplement. Ici, on va calomnier les marchands ottomans, et puis on va ramener le diplomate. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Bon, bah, on n'aura pas terminé le défi dans cet épisode. Je pense que le prochain, c'est jouable. N'hésitez pas en tout cas à me donner des petits conseils, si vous avez des petits conseils pour s'occuper de la France. Je les écoute avec grand plaisir. Pour ce qui est de la semaine prochaine, je voulais essayer de terminer cette semaine, parce que bah du coup il y a peut-être d'autres trucs prévus. Je suis en train de voir pour relancer une série EU4 multijoueur, hein, qui j'espère vous plaira. Je vous en dis pas plus, vous verrez le moment venu. Du coup, c'est pour ça que je voulais terminer cette série-là assez vite. Bon bah il restera au moins un épisode à faire, je verrai si je vous le mets ce week-end ou lundi comme prévu. N'hésitez pas à me suivre, hein, sur Twitter ou Mastodon pour savoir un petit peu les éventuelles modifications de planning ou trucs prévisionnels. Et dans tous les cas, je vous dis très bientôt, puisque eh bien, il y aura plein de trucs très bientôt. Merci à toutes et à tous!